Très bien. J'espère que ça va pas se casser la gueule. Mais là, on va défoncer Delirium. C'est parti. Ça va aller très vite, hein. Tears down, c'est pas très très grave. Allez, c'est parti. Salut. Allez, c'est bien mignon. Merde. J'ai pris quoi? Ah, la petite mouche de merde. Le pognon, on s'en fout. Ah, par contre, ça, ça m'intéresse. Petit cœur bleu. Oui. Oui, c'est ça. Allez. J'aimerais parler à Delirium, s'il vous plaît. Je sais pas si il est disponible. Allez les mouches, bravo. Qu'est-ce que tu veux? Allez, salut. Ah bah salut. Oh mais ça t'en d'accord. Oh putain mais d'accord. Je comprends pas les gens qui disent que ce jeu est compliqué, franchement, il n'y a aucune difficulté. Ça, ça m'emmerde. C'est toujours cadré? Ouais, c'est vite fait cadré. Bon, ça, on fera avec. N'hésitez pas à me donner de l'argent pour que je m'achète une capture card. Je prends que les bitcoins. C'est un pari sur l'avenir. Faut que je fasse gaffe avec mes conneries parce que. Non, ça ira. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce que c'est? Mais ça nous fait chier. Delirium, s'il vous plaît. Oh putain, il n'y a rien de ce que je veux. Casse-toi, putain. Delirium, Delirium. Où es-tu? Ouais, oh, mais il y a un petit rocher là. Ah bah voilà. C'est ce qui nous manquait. C'est parfait. Attends, toi tu m'as saoulé. Et toi aussi. Petit cœur bleu, non? Oui. Petit cœur bleu, là. Non. Ah. Non, c'est chiant. Oh, masque fait une famille, non? Quel enfer. Voilà, pour le coup ce sera bon, mais... Oh putain, mais... 20 sur 20 Bookworm. Qu'est-ce qui se passe? Oui, on va se calmer tout de suite. Ouais, très bien. Bookworm, c'est parfait. Ça nous fait chier. Ah, parfait. Deux salles de boss. Peut-être Delirium. Allez, celle-là. The Gate. Ah. D'accord. C'est quoi ça? Non, ça, j'ai l'impression que c'est... Je sais pas si... Non, mais je nique ma run, là, si je fais ça. Non, ça fait rien. Ça fait du Tears Up. Parfait. Qu'est-ce qu'on nous propose? Monstre 2. Ouais. Putain, il y a des PV. Oh merde. Abel, c'est parti. Willem d'Abel. Qui s'en souvient, Willem d'Abel? C'est parti. Oh, j'ai pris le truc. Merde. C'est pas très grave. Très bien. Du coup, le monde des clés, on s'en fout. Ah, une carte, là. The Devil Boy. J'ai rien le temps de faire parce que les mouches elles vont plus que moi. Petit rocher là. Qu'est-ce que c'est? Oui, petit cricket sel. Du poignon, je m'en branle.
mais c'est un film. Managardi. Dans la plus. Il veut quoi lui? Homing Bombs. Ça, j'ai appris il y a pas longtemps ce que c'était en fait les Homing Bombs et en fait c'est pas mal. Merde, quelle nullité. Oh là là, ça c'est vraiment. Oh là 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 là, on va se calmer. Un petit cœur là. Alors ici on a qui? Daddy Long Legs, bah plus. Le sablier. Je sais pas m'en servir, ça va m'énerver. Ah, délire, voilà, c'est parti. Alors, The Devil. Pourquoi pas avoir des petits délires en plus, que tu vois, tout. Par contre, faut que je fasse gaffe parce que. Bah, je fais le malin, mais. Ça va peut-être mal tourner. Oh, comme je soulève. Oh mon dieu. Oh les mouches tellement puissantes. Faut pas que je le prends non plus. Isaac, oui. Oui. Heureusement que j'ai Zoïfer, hein. Sinon, ce serait pas drôle. Satan, oui. Oui, t'es mignon. Managardi, oui. Qu'est-ce qui se passe là? Oh, putain, mais c'est la merde. Qu'est-ce qui se passe? Mais arrêtez! Non, j'ai pas envie de perdre là! Je commence à réaliser que ça peut être bientôt la fin. Je continue à faire de la merde. Je suis en stress. 8000 BPM. Le BPM infini. La panique. Panique à bord. En plus, j'ai 10 vies donc ça va être très gênant. Parce que si je meurs, enfin, que je remeurs en boucle 9 fois. Ou si je réussis pas en étant full life, impossible que je réussisse sans me faire toucher. Est-ce que... oui. Ah oui, voilà. Parfait. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, vas-y, viens là. Non, attends. Oui, Isaac. Je vais me faire soulever. Oh putain, mais Pip qui se TP sur moi. The Bloat, pardon. Mais il est mort, là, non? Ah bon? Ah voilà, bravo. Bon, c'était pas gagné. J'ai un peu stressé. Ah voilà, c'était passionnant. Alors, l'acide, HV24 System 3 sur Switch. Et le stuff, qu'est-ce que j'avais d'intéressant? En fait, j'avais Mass Tears Up. Non, petit 1, j'avais Mass Tears Up. Et Cancer, donc du coup, les tirs, en fait, c'était n'importe quoi. Parce que le principe d'Azazel, c'est quand même de tirer lentement. Et là, pour le coup, c'était cheaté. J'avais Common Cold qui faisait des dégâts de poison, j'avais Mass Damage Up vu que j'étais à 15,57 avec le Devil machin, mais sinon j'étais genre à 13 et quelques je crois. J'avais Divi, bon sans s'en branle. J'avais The Wafer qui m'a servi parce que sinon je serais décédé. J'avais Humbling Bundle qui m'a donné moult pognon, moult pick-up d'une manière générale. J'étais Guppy, et Guppy avec un Brimstone du coup ça fait Mass Mouche. Et vu que les mouches font des dégâts sur ma stat de dégâts, du coup c'était infini. Je faisais bien de dégâts et en gros c'était ça et puis j'étais Azazel de base c'est assez fort donc voilà hop ah oui et puis j'avais le coupon aussi qui m'a permis d'arnaquer à peu près plein de Devil Deal parce que vu que j'ai jamais eu vraiment de cœur rouge j'ai pu utiliser le coupon pour rendre des Devil Deal gratuits et donc on va prendre des enfin, pour prendre des Devil Deal, c'est comme ça que j'ai été Guppy. Et même, j'ai mis Splay parce que j'aurais pu avoir Gimpy aussi. Qui permet de drop des cœurs bleus à chaque fois qu'on se fait. Enfin, il y a une chance de drop des cœurs bleus quand on se fait toucher. Donc ça aurait été incroyable. Mais j'ai mal réfléchi. Enfin, je savais pas que Pertro, la rune Pertro, changeait les items qui n'étaient pas achetés. Et du coup, je les reroll comme ça. Donc voilà. Ah oui, et je jouais aussi, si la musique était déconnante, là, c'est parce que je jouais avec des easter eggs qui... J'avais notamment... Donc c'est pour ça que j'avais par exemple un bonnet de Noël, c'était un easter egg. Et en fait, le tempo de la musique était calqué sur mes HP.
Donc là, vu que j'étais full HP. Enfin, sauf sur la fin du fight, la musique a dû redescendre, j'ai pas dû faire gaffe. Mais... Enfin, vu que j'étais full HP, la musique était plus rapide. Et je crois que c'était tout, j'avais activé d'autres trucs, je crois. Ah oui, il y avait. J'avais activé dyslexie, c'est pour ça que toutes les lettres étaient cassées. Voilà. Dark Prince's crown has appeared in the basement. Voilà. Donc je crois que c'était tout. Ouais, voilà les easter eggs. J'avais activé, là j'avais rien mis. J'avais essayé de faire en sorte que les achievements restent. Donc j'avais pas mis de trucs de merde. Qu'est-ce que j'avais mis? J'avais dû mettre Grayscale Christmas. Ouais, il y avait Extra Gore aussi et Dyslexia. Je crois que j'avais mis ça. Et Elf Tempo, ouais, voilà, j'avais mis ça. Et du coup, Azazel est quasiment fini. Il manque juste Gridger, Ultra Grid. Déjà faut le knock et ça, ça c'est chiant. Voilà. Mais sinon, Isaac c'est pas, c'est de la merde. Magdalene ça commence à être pas mal, il manque juste les objectifs de temps à faire. Quin, c'est vraiment nul à chier, hein. Faut que je progresse. Judas c'est pas terrible. Blue Baby c'est un perso de merde, je jouerai jamais avec. Eve il manque que Méga Satan. Ah faudrait que je fasse ça, tiens, Méga Satan avec Eve. Sanson ça commence à avoir de la gueule, Azazel on en a déjà parlé, Lazarus il manque les deux objectifs de temps aussi. Eden j'ai pas trop joué mais je pourrais, parce que c'est rigolo comme perso. Lilith j'ai que dalle joué, à part le grid mode parce que c'est gratuit mais sinon j'ai pas joué. Et Apollyon, ouais, j'ai pas trop joué non plus mais j'ai déjà fait quelques trucs. Les challenges, ouais bon ça nous emmerde. Les endings, ben il manque que le 19, c'est celui d'Ultra Grid. Les secrets, j'en ai 223 sur 375. Donc ça se rapproche de la fin. Et les items, ben j'en ai, il y en a 500 et quelques, je crois, et j'en ai 438. Il en manque quelques-uns par-ci par-là. Tu vois, hyper bravo. Pinking Shears, c'était très puissant en fait de mode. Voilà. À plus. Couper comme ça, comme un sac.